Connaissez-vous l'histoire de Degalyantis? De vampires que l'amour a unis pendant des millénaires. Igor et Léontine ont régné ensemble main dans la main sur tous les vampires. De leur passion naquit Bertille. Fillette de sang pur, future impératrice des vampires. Elle grandit entourée par l'amour de ses parents. Léontine. Igor. Et Bertille ne craignait rien, jusqu'au drame. Igor fut empoisonné par les humains. Le chagrin qu'éprouva Léontine la fit basculer dans la folie et la psychose. Elle interdit à Bertille de sortir. Il lui fit prendre des cours à domicile. Qu'elle surveillait avec grand intérêt. Elle combla son chagrin en transformant des humains, se créant ainsi une armée. Ou en emprisonnant pour se nourrir. Bertille, de son côté, occupait ses journées avec son violon et ses poupées. Mais plus le temps passait, et plus elle rêvait d'explorer le monde. De plus, elle aurait bientôt ses pouvoirs.